C'est le lave-ton pour faire ramasser des sous pour la sclérose en plaques du Grand Charlevoix, avec la collaboration des pompiers de la Malbaie. C'est l'organisme qui a été choisi. Année après année, bien, on sélectionne un organisme parmi les candidatures qu'on a. Puis c'est sûr qu'on priorise les organismes qui aident dans Charlevoix. Il faut que l'aide soit directe. Cette année, bien, c'est sclérose en plaques Charlevoix. Aujourd'hui, c'est une primeur. C'est la première fois qu'on l'a fait comme activité. C'est un essai qu'on fait, puis comme on peut voir, ça fonctionne très bien. Ah oui, ça roule comme d'habitude. Mettons que c'était un bon endroit pour le faire, là. Il y a beaucoup de visibilité. À mon arrivée, il y avait des jeunes files de voitures qui attendaient. Les gens sont tellement généreux. On essaie de faire un lave-ton avec la vente de hot dog pour aider encore au financement de l'association. Puis cet argent-là recueilli reste uniquement dans Charlevoix pour les personnes atteintes. Ce matin, on est une douzaine, mais ça alterne. Il y en a qui viennent faire 2 heures, 3 heures, ils repartent. Il y en a d'autres qui reviennent, puis ça roule un peu comme ça toute la journée. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. C'est la première année, j'en reviens pas comment ils sont gentils, puis oh, ça y va, hein? Oh là là! Du côté de sclérose en plaques Charlevoix, bien, eux autres nous fournissent des bénévoles aussi. C'est une condition, bien évidemment, qu'il faut qu'ils s'impliquent, qu'ils trouvent des bénévoles pour nous donner un coup de main. Oui, la Maison des jeunes, ils sont venus leur donner un coup de main. C'est eux autres qui les ont recrutés. Eux autres, on faisait affaire avec sclérose en plaques Charlevoix. La Maison des jeunes, ils sont recrutés. Formidable, les jeunes s'impliquent. On veut quoi être plus? Hein? J'en profite pour remercier Place Charlevoix qui nous autorise à le tenir ici, année après année. Puis, c'est la place pour faire un lave-ton.